France qu'on retrouve aujourd'hui pour le match retour de cette double confrontation avec l'étiquette de favori. Bienvenue dans cette rencontre si spéciale. On est ravis de vous retrouver et j'imagine que vous devez être nombreux à nous avoir rejoints. Favori donc, mais attention à ne pas prendre ce match de haut. Il va falloir évidemment mettre les mêmes ingrédients que lors du match aller pour s'imposer dans cette magnifique affiche. La frappe ! Eh oui, le but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Quel opportunisme quand même. Ah, il est très malin sur ce coup-là, il profite des airs, monte à la défense, il est parfait. Cette affiche tient déjà toutes ses promesses. Bonne interception, il y avait danger. Fekir. Mbappé. Oui, il y avait bien faute. Vira. Kimpembe. Peut-être une occasion pour Griezmann. Mbappé. Et ça finit au fond. Et déjà 2-0. Attention que ça ne tourne pas la correction. Oh, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. 3 buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Attention, occasion! Mais il va être sanctionné. L'arbitre accorde ce coup franc. On est à l'extrême limite de la surface de réparation. Il est bien placé ce coup franc. Il pourrait la tenter directement. Voilà une bonne occasion de réduire l'écart. Il n'y a plus qu'un but d'écart, le suspense est complet. Quelle intelligence dans la finition. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? La France qui peut avancer, allez. Vira. La France réalise une très belle entame. Il faut enfoncer le clou maintenant. Mbappé. Oh, la main ferme. L'arrêt splendide. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Ce sera le premier corner du match. Il fait jouer court à deux. Il accélère et il déborde. Il... De la tête. Pris au piège du hors-jeu. Vira. Il décide d'allonger le jeu. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Attention, coup franc dangereux à suivre. L'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Mais s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être trop loin derrière au tableau d'affichage. Griezmann. Oh, Ter Stegen, super barré. Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Voyons ce que va donner ce corner.
Le corner est joué court. La passe est précise. Il tacle. Il y avait danger. L'anglais. C'était une bonne intervention. Il est passé. Oh, la frappe! Oh, ce ballon perdu aurait pu leur coûter très cher. Ils s'en sortent. Ils l'ont gagné. Un nouveau corner. Mathéus. Un corner, c'est une cartouche pour lui. Bien, bonne intervention. Et c'est intercepté. Pavard. Peut-être une occasion pour Griezmann. C'est bien donné. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Werner, qui a déjà pris le pas sur la défense. Werner. Il est bien placé. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça va très vite sur le côté gauche. Oh, Benzema. Vira. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. On assiste. Griezmann ! C'était parfait, parfait, jusqu'au dernier geste. C'était un 1-2 décolle, quelle combinaison ! Werner. Oh, le bon ballon ! Oh, attention ! Faut frapper, là ! C'est au fond des filets ! Égalisation pour l'Allemagne ! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Sur la gauche, c'est joué long, la passe dans la profondeur, hors jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Kimpembe. Oh, Benzema. C'est bien fait, ça. Goretzka. Oh, le contre, l'arme fatale. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long, attention. Faut tirer, là. Le gardien loin devant. Vira. Süle qui récupère ce ballon. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Bien, la profondeur. Oh, c'est bien joué. Le drapeau ne s'est pas levé. Werner en retrait. Oh, le tacle. Attention, il tire. Et ça va au fond. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but.
Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Benzema. Va-t-il en profiter jusqu'au bout? Et le but! Quel enchaînement imparable pour le gardien. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. La France qui a largement pris sa part dans le festival offensif que les deux équipes nous ont offert en première période. Jusqu'ici, tout se passe très bien, il faut rester très belle qualification. La seconde période est maintenant lancée. Au passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. La longue passe. Kimpembe. Ça joue long vers l'avant. Bien servi. Énorme occasion. Et l'arrêt, magnifique. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Il va certainement tenter de déposer le ballon sur la tête d'un coéquipier. Il sent très fort dans cet exercice. Un peu d'air pour la défense. Vira. Long ballon dans le sens du jeu. Fekir. Bien joué à droite, il faut aller vite. Griezmann. Le ballon dans la profondeur. Oh, quelle occasion, attention! Et ça fait but! Ça, c'est du boulot. Quand il lui remet le ballon, il y a presque but déjà. Ils ont fait le break et c'est reparti. J'ai l'impression que leur entraîneur est un peu plus détendu sur le banc. Deux buts d'avance, c'est bien, mais attention à ne pas s'arrêter de jouer non plus. Oh, Griezmann. C'est bien fait, ça. C'est joué dans la profondeur. Oh, l'aspiration. Oh oui, but. Le but. Pas le temps de douter, ils ont vite égalisé. Incroyable, c'est comme s'ils refusent tout simplement la défaite. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. C'est très simple, hein. Il le donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou.
Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. Il fallait marquer vite dans cette deuxième période et il en fait. Maintenant, il faut pousser pour égaliser. Ballon intercepté, ça soulage la défense. En la profondeur, bien vu. C'est bien fait. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ça joue long. Fekir. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. C'est joué dans l'espace. Il cherche la profondeur. Plus que le gardien à battre. Un grand dégagement le plus loin possible. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il est bien placé. Il allonge vers l'avant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il y a peut-être un coup à jouer. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. Kimmich. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exact. Griezmann. Oh, l'intervention. L'Allemagne laisse clairement entrevoir ses intentions en laissant des joueurs devant. Pour jouer le 1 contre 1. L'accélération. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribbles et de vitesse. Kimmich. L'Allemagne qui essaye de construire. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est joué long. Oh, Benzema. Vira. S'il le trouve, dans la profondeur. La passe dans l'axe. Le bon dribble. C'est une occasion. Le bon jaillissement. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il allonge le jeu. Bien, la profondeur. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Mbappé. C'est joué dans... Allez, jusqu'au bout. But pour la France. Et ils reprennent l'avantage. C'était vraiment tendre le bâton pour se faire battre, là. Benzema a bien profité de cette erreur. Qu'il savoure, parce que ça n'arrivera pas tous les jours, à mon avis. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité, il a été insaisissable, insaisissable. La France qui effectue donc un nouveau changement. Martial
qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Bien, c'est reparti et il y a maintenant 2 buts d'écart. Attention là. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. La longue passe. Cette attaque n'a pas pu se développer. Mbappé. Voici Martial dans la profondeur. La passe est précise. Oh, l'occasion! La parade! Magnifique! Ah oui, superbe! Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Essayer de s'appliquer sur ces corners. Ça défend comme ça peut. Müller dans la profondeur. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon. C'est une occasion ça. Et c'est au fond. C'est tout simplement incroyable, magic. Ils ont pris des risques, ils sont récompensés, que c'est beau. C'était limite, 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 mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Il s'incline aujourd'hui, c'est vrai, mais peu importe, car ils remportent cette double confrontation grâce à leur belle victoire dans la première manche. Dites-moi. Mais remporter les 2 manches, mais au final, le résultat est là. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Mais c'est moi qui vous remercie.